Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez. Bienvenue à votre nouvelle émission sur comment prier. Et chaque fois dans cette émission, je commencerai à vous donner les secrets, les clés pour prier pour tel problème, tel problème. Et ce matin ou ce soir, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, je vais nous parler comme pour la première émission de comment prier pour briser les liens derrière les noms. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Lisons dans la parole du Seigneur. Et Jaébé fut plus honoré que ses frères. Et sa mère l'avait appelé du nom de Jaébé en disant, « Je l'ai enfanté avec douleur. » Et Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénissais abondamment, et si tu étendais mes limites, si ta main était avec moi, et si tu me mettais à l'abri du mal, en sorte que je ne fusse sans douleur. » Et Dieu fit arriver ce qu'il avait demandé. Chaque nom et prénom que nous portons a une signification et une origine. Derrière la signification d'un nom peut se cacher des malédictions, des liens et des démons. Les noms que nous portons ont une influence sur nous selon leur signification, les personnes de qui nous avons hérité ces noms et leur origine. Bien-aimé, Jaébé a vécu une vie de douleur jusqu'à ce qu'il découvre que sa vie de douleur provenait de son nom, des circonstances de sa naissance. J'ai reçu beaucoup de cas de gens dont leur problème, l'origine de leur problème, provenait de la signification de leur nom. Récemment, j'ai reçu le cas d'une personne dont le nom en dialecte voulait dire Tibola, qui veut dire quelque chose de pourri. L'autre, j'ai reçu encore le nom d'une personne qui voulait dire, dans notre dialecte, Mampassi, qui veut dire douleur. Et quand nous avons commencé à analyser la vie de ces gens-là, nous avons vu la souffrance et les douleurs. Bien-aimés, le nom peut avoir un impact négatif sur la personne qui porte ces noms-là. Mais comment prier pour briser les liens, les malédictions derrière le nom? Bien-aimés, la mère de Jaébé lui avait donné ce nom à cause des douleurs d'enfantement. Et ce nom a contrôlé la vie de Jaébé. Jusqu'à ce que Jaébé puisse élever la prière qui le délivra et changea le cours de sa vie. J'ai prié mon Dieu qu'au travers de cette émission, que tu reçoives la connaissance de comment bien prier pour que tu puisses être libéré des liens de nom. Le nom peut être porte-malheur. Le nom peut amener de mauvaises choses. Tout comme le nom aussi peut être porte-bonheur. Lazare, son nom signifie le secours. Dieu est mon secours, le secours qui vient de Dieu. Et nous avons vu que Lazare a bénéficié du secours venant de Dieu. Dans la Bible, il y a quelqu'un dont le nom voulait dire insensé. Nabal. Et cet homme est mort comme son nom. Il est mort d'une mort insensée, textuellement comme voulait dire son nom. Bien-aimé, les liens de nom existent. Le nom peut vous contrôler. Le nom peut amener de mauvaises choses vous arriver dans votre vie. Vous devez vous lever, prier pour briser les liens de nom. Ce n'est pas en vain que notre Seigneur Jésus-Christ a changé le nom de Simon en Pierre. Simon veut dire quelque chose d'instable. Et quand vous regardez la vie de Simon, vous verrez l'instabilité. Pierre veut dire quelque chose de solide. Quelque chose qui est dur. Et quand il y a eu le changement de nom, nous avons vu la constance dans la vie de Pierre. J'ai prié mon Dieu à la fin de cette émission que vous puissiez être libérés des liens de nom au nom de Jésus. Bien-aimés, un autre exemple, c'est Jacob, un des patriarches
Son nom a caractérisé toute sa vie. Jacob signifie celui qui supplante. Et nous savons que toute la vie de Jacob a été escroquerie et duplicité. Jusqu'à ce qu'il ait l'expérience où Dieu a changé son nom. Son nom fut transformé en Israël, qui veut dire le prince des dieux. Dans cette ville, il y avait un pasteur. Son nom voulait dire l'argent est difficile. Dans notre langue, on dit Bongo passe. Et cet homme a souffert toute sa vie de la pauvreté et des difficultés financières. Jusqu'à ce que l'homme puisse avoir la révélation que ses problèmes provenaient de son nom. Il a directement changé son nom. Il s'appelait plus Mbongo Passi, mais Mbongo Ming, qui veut dire beaucoup d'argent. Et depuis lors, sa vie a commencé à prospérer. Il y a certains cas où ça demande de changer le nom. Il y a certains cas où ça demande la prière pour briser les malédictions et vivre la délivrance. Comment prier? Pour commencer, bien-aimé, tu dois noter tes noms et tes prénoms. Tu dois noter leur signification. Une autre chose, les personnes de qui tu as été surnommé. Comment était leur vie? Aspect négatif et malédiction. Je connais une sœur, on lui a donné le nom de sa tante. Et sa tante était divorcée. Elle aussi, arrivée à un moment de sa vie, elle a connu le divorce. La personne qui a porté ton nom, mais qui tu as été surnommé, comment était sa vie? Quels sont les aspects négatifs et les malédictions de sa vie? Voici comment tu dois prier. Premier point, prends chaque nom distinctement pour prier. Par exemple, moi, c'est Paul Richard Pandi. Je prends Paul Richard, je prends aussi Pandi. Prends chaque nom distinctement pour prier. Donc tu commences d'abord à prier pour Paul Richard. Après, ensuite tu pries encore pour Pandi. Deuxième chose, tu dois confesser les péchés de la personne de qui tu as hérité ces noms. Les liens, toutes les malédictions qui te lient à travers ces noms. Si par exemple je porte le nom de ma tante, Georgine, je commence à confesser les péchés qui caractérisaient la vie de ma tante, Georgine. Elle était impudique, elle était insolente, elle était alcoolique, elle était nerveuse. Je commence à me repentir de tous les péchés, de tous les liens qui s'est manifesté dans la vie de ma tante, de qui j'ai hérité le nom. Si c'est de mon père, la même chose. Troisième chose, tu commences à prier de cette façon. Au nom de Jésus, je me sépare du nom Pandi. Au nom de Jésus, je me sépare de ces noms. Je me sépare du nom de Paul Richard. Je me sépare des malédictions. Je me sépare des liens de ces noms. Au nom de Jésus-Christ, tu pries de cette façon. Quatrième chose, tu pries au nom de Jésus. Je me sépare de la signification de ces noms. Il y a des noms qui signifient malheur. Il y a des noms qui signifient souffrance. Il y a des noms qui signifient blocage. Chaque nom a une signification. Si tu ne connais pas la signification de ton nom, demande à tes parents. Demande aux aînés de la famille. Pourquoi on m'a donné tel nom? Dans quelles circonstances suis-je né? Et quatrièmement, dans la prière, tu commences à dire, je me sépare de la signification de tel nom. Je me sépare de la douleur qui est contenue dans le nom de Jaïbé. Je me sépare de cela. Je me sépare de cela. Je me sépare de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cinquième chose. Au nom de Jésus, je me sépare de tous les péchés, de toutes les malédictions, de tous les liens qui ont caractérisé la personne de qui j'ai hérité ce nom. Ici, tu dois être spécifique si tu as de la connaissance dans ce sujet. Par exemple, j'ai le nom de mon père. En priant, tu dois dire au nom de Jésus, je me sépare de tous les péchés de mon père, de toutes les malédictions de mon père. Je me sépare de tous les liens qui ont caractérisé la vie de mon père. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me sépare de toutes les malédictions qui ont caractérisé la vie de mon père au nom puissant de Jésus.
Sixième chose, au nom de Jésus, je brise tous les liens et toutes les malédictions qui me lient à ce nom et à la personne de qui j'ai hérité ce nom. Tu commences à prier, tu commences à briser les liens, à briser les malédictions qui te lient à ce nom-là. Bien-aimé, un nom nous lie aux malédictions, un nom nous lie aux mauvaises choses. Tu commences à briser, je brise les liens, les malédictions de ces noms au nom puissant. Je me sépare de cela au nom de Jésus. Septième chose, enfin, au nom de Jésus, tu dois ordonner à tous les démons qui sont entrés en toi ou qui influencent ta vie à travers ces noms de sortir maintenant. Au nom de Jésus, je commande à tous les démons qui sont entrés en moi à cause d'une non-souffrance que je porte. Je vous commande maintenant, sortez dans ma vie, sortez dans ma vie, sortez de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Voici comment il faut prier pour briser les liens de nom. Si tu as été touché, si cette émission t'a aidé, ne manque pas à nous contacter pour la prière et pour la délivrance. Nous allons prier ensemble. Père des rages, amène ton peuple qui souffre des liens de nom. Tu nous as montré comment il faut prier pour ces problèmes. Maintenant, je les amène auprès de toi. Alors qu'ils ont suivi cet enseignement, Saint-Esprit, aide-leur qu'ils puissent mettre cela en pratique et qu'ils puissent prier afin d'être détachés de tous les liens de nom. Je les amène auprès de toi. J'implore ta grâce et ta miséricorde dans leur vie, Seigneur. Maintenant, au nom de Jésus, je les sépare de tout nom maléfique qu'ils portent au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas de la signification de ces noms, de malédiction contre ces noms. Au nom puissant de Jésus, je brise les liens de noms. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise les malédictions de ces noms. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande à tous les démons qui sont entrés dans leur vie à cause des noms qu'ils portent de sortir maintenant, de sortir maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prononce tes bénédictions dans leur vie. Soyez bénis. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Appelez-nous à nos numéros qui est au bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour un nouveau numéro sur la même chaîne. Je vous invite à vous abonner nombreux sur cette chaîne afin de continuer à bénéficier de nos programmes. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa, la capitale de la RDC. Shalom.